Hello, hello à tous, bienvenue sur l'autre dimension, notre base sur Oxygen Not Included. J'ai beaucoup de plaisir de vous retrouver pour cet épisode. Moi, j'ai pas fait de pause entre le dernier et celui-ci. Donc, s'il y a eu des commentaires, des fois, peut-être que j'ai pu les zapper. J'avais vraiment envie de continuer, donc pourquoi pas. Je me suis dit, je suis dans la lancée, j'avais pas envie d'arrêter mon si bon chemin. On a lancé des petites choses, donc un début d'isolation là de la base à ce niveau-là. On a un petit bébé glouton qui grandit tranquillement. On va vérifier juste les priorités. C'est tout bon. Là, on peut mettre la direction gauche. Donc, on a agrandi, la dernière fois, on a agrandi nos toilettes en prévision d'une augmentation du nombre de populations de duplicants. Là, je vais y arriver. Dans notre base, on a donc réactivé aussi le pod, le truc d'impression pour les nouveaux duplicants. On continue l'exploration. On a libéré ici un petit Dréco. Mais je pense pas qu'on va le. On va pas le tuer encore. Encore, hein. Le pauvre, il a déjà son destin scellé. Il faut. Il faut qu'on accède au nouveau biome. Donc, ça, c'est vraiment cool. On a trouvé des nouveaux biomes de glace. Sur la gauche. J'aimerais bien accéder à là pour prendre le Wizworth. Et puis. Bon, en même temps, là, ça m'a l'air bien isolé avec l'épicélite. C'est vraiment juste les petites choses là qui sont restées à ce niveau-là. Là, je pense qu'il doit faire trop froid aussi pour la plante. J'aimerais trouver un endroit où on peut. Est-ce qu'on laisserait l'hydrogène qu'elle a passer là? On pourrait déjà rejoindre ces deux pièces-là. Faut trouver un passage, hein. C'est ça l'idée. Et ici, je me suis dit pourquoi pas rejoindre ces deux biomes, parce que de toute façon, c'est de l'oxygène pollué là. A priori, ici, on n'aura pas de soucis. Ouais, on va ouvrir ici. Profiter de la viande qu'on a là. Est-ce qu'on a des choses pour construire l'échelle ici? Roche magmatique. On a combien de kilos? J'ai pas regardé. 920, je pense que ça va être assez. Au pire, on en amènera d'ailleurs. Mettre l'échelle là, rejoindre notre petit Pacou. La base. Il y avait un œuf, hein. Je pense que c'est lui qui a grandi avec le temps. Ou il est toujours par là, je sais pas. En tout cas, ça serait assez cool. Je pense qu'on va mettre quand même un désodoriseur ici. On va creuser ça. Et puis là, on va en mettre un. Désodorisant. Chaque fois, je dis désodoriseur. Hein, j'espère que ça vous dérange pas. Ça m'arrive souvent, ce genre de petit lapsus, qu'on a en tête un truc. Et en fait, on apprend faux et du coup, on continue à le dire tout le temps. Ça reste un peu le nom qu'on a dans la tête. Là, il lui manque. Pourquoi elle pousse pas? Ouais, elle pousse. Ok. Ok.
Ok. Là, on a presque fini. Est-ce qu'on ferait un passage comme ceci? On pourrait le faire, hein. On pourrait faire un truc. On pourrait sceller là. On va faire ça. On va déjà ouvrir toute cette partie-là. On va créer un passage pour explorer ce biome du froid ici. Et pour le haut, si on garde cette petite cuve, ici, on pourrait faire une porte. Et au pire, l'hydrogène, il va monter. On va lancer ça aussi, hein. Si on fait pas les choses au final, bah, y a rien qui va évoluer. Ouais, je pense qu'on va faire un truc comme ça, j'aime bien l'idée. Ça m'est venu comme ça là. Je pense que ça peut être pas mal. On va mettre une échelle là juste pour pouvoir construire cette partie-là. On va mettre ça en priorité. Ça. J'aimerais que ce soit fait avant la porte. Ah mais mince, du coup. Non, ça va pas fonctionner parce que là, du coup, non seulement ça va ouvrir, mais en plus ça va nous bloquer la porte de l'autre côté. On va la mettre comme ceci. Et là, au moins, on est safe. Comme ça. Là, l'oxygène, ça devrait commencer à être de plus en plus respirable quand même. À ce niveau-là, vu qu'on produit avec ce terrarium à algues. Et à terme, si on ouvre là, cet oxygène pollué va descendre, l'hydrogène va monter et en théorie le chlore il va rester là. Ok. On va faire les choses lentement. Au pire je ferai des coupures. Je préfère. Je préfère qu'on prenne notre temps et qu'on fasse pas de bêtises. On a plein de biomes d'eau polluée, hein, donc ça on va pas manquer. On va la transformer. Ça on va le mettre sur 6 aussi. Je pense que là, du coup, si l'idée c'est de garder de l'oxygène pollué ici, je pense qu'on n'a pas besoin hein, d'avoir un désodorisant. Ça va les faire descendre pour le charger quoi en fait. Hein, en gros. Ça va les faire descendre pour ça. On a un poste maîtrisé, Gossman. Il va devenir artiste finalement. C'est sa destinée. Là, il a fini la jambe de maintenance. Donc, il a plus 2 à la force. On va l'enlever de là pour voir. Force 4. Nickel. Créativité 5. On va le mettre direct en étudiant en art. Gossman. Il va être très content. C'est la raison pour laquelle il. Ah, il a enlevé son chapeau déjà. Hein. Il l'enlève direct en fait quand on met la croix.
personne qui vient vider les toilettes ici. Yes, il a son béret de parisien. Il est tout content. Ok, on n'a toujours pas de graines de champi. On pourrait commencer à en produire, je pense. On va ramasser la viande avant qu'elle soit rassie. Et pour faire un barbecue. Donc là je crois qu'on avait enlevé. Ah non, il manque juste la viande. Baie fibreuse, on en a combien? On a 8000 kcal. Et on avait dit que c'était que Nicolas hein, qui mangeait ça. On avait changé les ce que les gens peuvent manger. On avait fait des petits changements à ce niveau là. Et là on voit que son moral il est plus haut parce qu'il a eu des repas standards. Ça doit être l'omelette je pense. Le repas niveau standard. Je cherche aliments. Omelette standard ouais. Ouais c'est ça. Ah, bah là, taille maximale 64 et on est à 66. Ça c'est embêtant ça. Je pense qu'il faut qu'on rajoute une dalle. On va changer ça en dalle ventilée. On va en mettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remplir. Ça, on va mettre en priorité 6, comme ça, ils le font. Ah, ça, c'était en 4, c'est pour ça que c'est resté comme ça. Ça va déjà en prendre une. Ici, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on profiterait pas pour mettre on va essayer de décorer les toilettes en fait avant de faire ça. On va décorer les toilettes. Mobilier. Voilà. Moulure d'angle. Ici on peut tourner. Bon, il doit attendre d'avoir construit ça. Lui, on avait dit qu'il était âgé. Non, il est tout jeune. On va le laisser en vie. Hors de portée. Ah, ok. Là, on a besoin d'une petite dalle. On a de la roche magmatique. Voilà, on va le faire comme ça. Et on peut même mettre dalle ventilée, hein, ça... pourquoi pas, ça leur fera aller plus vite. Je préfère faire l'exploration vers le bas au début parce qu'on n'a pas envie d'arriver trop vite dans l'espace. Donc en montant, on va rejoindre la surface de la, enfin, rejoindre la surface quoi, en fait, de l'astéroïde, et donc on aura accès au vide de l'espace et il y a plein de choses terribles qui s'y passent, surtout pour un petit noob comme moi, qui ne va pas manquer de faire des bourdes. Je m'en réjouis. Ici on n'a pas de plantes. On va mettre aussi une échelle, histoire de pouvoir y accéder. Là
Et on va ouvrir ceci. Là c'est bien parce qu'on n'a pas beaucoup d'oxygène. Là on est à 1000 grammes. 1000 grammes de chlore. Ok. Nicolas a amélioré son minage. C'est top. On a une graine de plante sifflante là. Aussi. C'est bizarre qu'elle soit pas plantée normalement. Enfin, en tout cas, moi j'en trouvais pas trop hein, des graines. J'ai toujours trouvé des plantes à déterrer. Là, on a un petit Draco. On pourrait regarder aussi s'il est vieux. Enfin, pas exagérément vieux. Là, on a des petits œufs de Pacou aussi. On a une graine de champignon. On va accélérer un peu. Et là, on a plein de germes quand même. Hein. Ça va descendre parce qu'on est censé être dans de l'oxygène. Ah non, oxygène pollué. Bon là ils vont finir ça et puis ils sont pas trop censés se balader par là hein, de toute façon. On va aussi nettoyer ici. On va mettre quand même en priorité ça. On va pas le mettre plus bas. J'aimerais que les toilettes elles soient nickel. Déjà qu'il y a un malus de décor avec les toilettes sèches là. On va essayer de remettre au plus vite le bonus de toilette. Donc là maintenant ça devrait fonctionner au niveau de la moulure. On va faire ça sur toute cette longueur là. Là on avait dit qu'on devait prendre une dalle. Et là du coup elle fait 734 dalles parce qu'il n'y a pas de fermeture. Ça on peut le démolir hein, en fait, on n'en a pas besoin. Alors, on a un nouveau duplicant, on va quand même regarder ce qu'on a. Plus 20 de bénéfices de décor, hein. Ça c'est cool. Il a un intérêt dans la construction et on a personne qui en a, si je me rappelle bien. Un artiste, on en a déjà un. Elle est résistante aux germes. Camille, mais elle consomme plus. Petite vessie, ça on va pas la prendre. Plus dans soin, c'était un truc qu'on voulait. On voulait élevage. Vitesse aux toilettes, moins 50%. Pèlerine, forme physique plus 3. Un culte. Est-ce qu'on prend max? Ou pas. On n'a pas d'architecte, hein. Non. Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Max? Ouais, on avait l'agriculteur, il a la même tête. Mais tant pis. Ça va être son frère jumeau. On va l'appeler Maxime. L'architecte. Il a pas des stats de ouf, mais. Ouais, vitesse aux toilettes, c'est vrai que c'est pas un truc que j'aime bien. Mais ballerine et inculte, ça peut être cool. Il a un bénéfice de décor. Allez, on va le prendre. Hein. Maxime, et mon idée c'était de renommer du coup Max l'agriculteur. On aurait pu. Maxence ou Maximilien.
Maxime et Maxence. Ça me semble plus logique là pour des des jumeaux. Maximilien, ça fait un peu genre c'est le même nom mais prolongé. D'accord. Alors lui, il aura comme job. On va tout de suite le mettre en architecte. Et on va changer ses priorités. On va mettre construire. Et il est bon en creusage. On va mettre un petit bonus à ce niveau-là. Ah, pourquoi j'ai mis ravitailler? Voilà, creusage. Ok, donc on a un nouveau petit mec. On va rajouter des tables ici. Table d'hôte. On va en mettre 3 déjà. Et là, on va rajouter. Alors là, on a un bonus de décoration pour l'amalgame d'or ou le minerai de cuivre. Donc, comme on a plus de minerai de cuivre, on va prendre ça. Là, on va mettre en terre. On va mettre le petit lit de notre nouveau Maximilien. Je suis en train de me confondre moi-même. C'est Maxime, l'architecte. Et Maxence, l'agriculteur. Voilà. Tac, tac, tac. Là, on va fermer ça. On va laisser ainsi pour l'instant. Bienvenue, Maxime, l'architecte. On a fini ça. On n'a pas besoin de mettre de deuxième, je crois, des horizons ici. Quoique, je préfère en avoir un en trop que pas assez. On va le mettre là. Est-ce qu'on a toujours assez de nourriture pour notre petit spécial, là, celui Nicolas? On va profiter, on va mettre aussi des moulures. On va continuer en granit. Et ici, on en a été où? On va continuer là aussi les constructions. On va mettre en vitesse un peu plus rapide. Et je vais pas rajouter encore des cultures ici. Parce que j'aimerais bien commencer à faire des champignons. Ça prend combien de 30 cycles? Ah ouais, j'avais oublié que c'était aussi long dans la nature. Hein. Ah, ça va pas le faire ça. 30 cycles, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ta-ta-ta-ta-ta. Est-ce qu'ici c'est fini? Presque. On va laisser les petits duplicants avancer avec les travaux. Ça c'est une pièce de 48, maximum 64, ça va très bien. Ça va très très bien. Ok, donc là on peut commencer à démolir. Ah, ils peuvent démolir depuis le bas. Ok. Donc là, il
faudrait que je fasse. En même temps, c'est peut-être pas forcément très bien que je mette des airflow. Tout simplement parce que là, ça crée de l'oxygène pollué. Hein, donc, décoration plus 10. Décoration plus 20. À moins qu'on mette ça comme ça. Ces bulles de... c'est du dioxyde de carbone. L'oxygène pollué, c'est plutôt dans le violet. Ok, on va faire ça comme ça, là. On va mettre une dalle ventilée ici. Pour que l'air, il arrive là, et... voilà, on va faire ça comme ça. Donc là, on va mettre des dalles... en grès. D'angle, on doit attendre que ce soit construit. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Là, ça va, hein. 1000, 3000 germes, 7000. Mouais. Et là, on est plutôt dans les 20 000. On n'est pas censé trop descendre par là. Quoique pour prendre le slime, en fait, on en aurait besoin. Ah, on pose. C'est qui en pose? Ah! Bah voilà, il est coincé. Fallait s'y attendre, hein, évidemment. Donc ce qu'il va faire déjà, c'est qu'il va construire la moulure d'angle. Est-ce que si là, on démolit ça, il arrive à passer? Regardez. Ah, la moulure d'angle, on l'a pas fait en granit. Bon, c'est pas grave. Comme ça, au moins, il l'a construit. Est-ce qu'il arrive à sortir? Déplacer ici. Il peut pas. Il peut pas. Il est coincé. On va mettre donc. Est-ce qu'il arriverait à sauter là? On va regarder. On fait des tests, hein, comme ça on voit ce qui fonctionne. Ah bah non, toujours pas. Donc on va démolir ça. Et on va le reconstruire. Ça, on va démolir également. Du coup, faire une échelle pour qu'il puisse descendre. Carrément, en fait, la mettre là, comme ça je suis sûr qu'il va réussir. Là, on va fermer ça. Tac, tac, tac. Et du coup, on va pouvoir démolir celle-ci. C'est toute une organisation, hein, parce que là. Aïe 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 aïe. Ok, et on va démolir la dernière. Là normalement on devrait de nouveau avoir le bonus. Ouais. Donc là on est à 64 pour un maximum de 64. Donc juste en mettant la dalle ici en plus, ça nous a voilà, ça nous a rendu à la taille nécessaire. Eux, en fait, là, ils sont bloqués parce qu'ils ont besoin de CO2. Hein. Ils peuvent pas vivre dans d'autres atmosphères comme les Millwood ici. Ça, c'est des plantes qui sont vraiment tranquilles. Elles ont pas besoin de quoi que ce soit de spécial. Ah, et là, c'est top, en fait, comme j'ai fait ça. Parce que sans le vouloir, en fait, l'hydrogène, comme c'est une atmosphère d'hydrogène ici, il est léger, il aura tendance à ne pas descendre, justement. Et il y a la cuve, donc ça je l'avais fait exprès, hein, la cuve à chlore.
faudrait juste éviter qu'il y ait du CO2 parce que ça sera plus lourd que le chlore. Donc ça va le pousser le chlore un peu plus haut, mais sinon c'est top. Ici on va passer roche magmatique. On va mettre des petites dalles. Pour nous permettre de monter. Voilà, du coup on va annuler ça je pense. On va faire juste celle-ci. On va monter par là pour aller chercher les pinchas. Là est-ce qu'on a mis les récoltes? Non, on n'a pas mis, donc on peut tout mettre en récolter si possible. Si atteignable, et etc, etc. Donc ça avance. Ça c'est bien, ça nous fait un petit puits à CO2. Comme ça, il y a les balmélies de ce côté là qui continuent à grandir. On n'est pas censé trop passer par là de toute façon hein, donc ça c'est cool. Est-ce que du coup elle ça a changé? Je voulais juste regarder pour le... La probabilité augmente si la créature ne partage pas l'enclos avec Bouffette Princière. Mais tu vois en fait, comment elle peut ne pas partager un enclos avec soi-même? Ça me semble un peu concept hein. Ne partage pas l'enclos avec Bouffette Princière alors que t'en es une. Je sais pas trop comment avoir le bonus pour l'œuf si on voulait en avoir un. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais c'est vraiment bizarre comme, comme concept ça. Mais bon. Ok, donc là on a fini ça. On a de nouveau tous les bonus de salle. Chacun a accès à une table pour manger dans le réfectoire. Là on va nettoyer à nouveau les toilettes parce que. Il y a des nouvelles choses qui sont tombées. On va mettre ça en prio 4. Ça enlève les débris. On a encore un œuf. Il y a celui-ci qui n'a pas encore éclos. Ici on a un petit bébé. Ils ont faim en fait hein. Je sais pas si... Il faudrait leur donner à manger. On n'avait pas débloqué le ranching, hein, l'élevage. On va le faire juste pour mettre... pour leur donner de la nourriture. Là, il y a un truc... le distributeur pour créatures. Ça va leur permettre de manger. Avec ça, on peut creuser... Je creuse pas autour du slime parce que j'ai pas envie que ça commence à... Enfin déjà je vais pas creuser le slime pour pas que ça fasse de l'oxygène pollué dans cette zone. Mais aussi pour éviter les germes là. Ici c'est fini. Là on va ouvrir, on va le faire en fer. La porte en fait, on va pas la faire en cuir parce que c'est juste à côté. Ça va leur éviter de devoir aller à l'autre bout de la base chercher les matériaux. Voilà, ça commence à devenir de plus en plus respirable. Top. De l'algue, on est à 11 tonnes, ça s'améliore. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On va la prochaine fois s'attaquer à la génération d'énergie. On va installer une centrale à un générateur à charbon pour éviter qu'il le fasse manuellement.
Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et j'espère que vous avez apprécié. On va lentement mais sûrement dans cette base. Je laisse un peu un maximum en fait de choses que je fais. Mais si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire. Je peux aussi couper plus de parties et aller directement vers les points essentiels. Et la prochaine fois, on va ouvrir l'accès donc au biome du froid également. Merci aussi à tous ceux qui ont laissé des commentaires et des likes. C'est vraiment sympa, ça me fait plaisir et ça aide aussi l'algorithme de YouTube à me promouvoir. Donc que plus de personnes puissent trouver mon contenu. Je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée et je vous dis à la prochaine.